mourir en fait. Oh là là. Des orages violents et des précipitations exceptionnelles pour un mois de juillet. À Paris, il est tombé près de 50 mm en une heure, ce qui correspond à un mois de pluie. Une vingtaine de stations de métro ont été touchées. Le trafic a été ralenti et certaines stations fermées dues au ruissellement des eaux. Entre 21h et 23h, 1700 appels ont été reçus par les services de secours. 37 interventions ont été recensées par les pompiers, essentiellement pour des sous-sols inondés. En fin de journée, c'est Nantes qui a essuyé cet orage. Des rues sous les eaux, des axes coupés à la circulation, le résultat d'un déluge de pluie d'à peine 30 minutes. Ici, les pompiers ont dû intervenir à 265 reprises. Des orages qui n'ont fait aucune victime. L'alerte orange est maintenue du centre Val-de-Loire à l'Île-de-France jusqu'à demain 6h.